C'est parti. Enfin, bonjour Caroline. Ah, tiens. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous attendent depuis quelques secondes et à qui j'ai mis un petit peu de pub, un petit peu de musique pour que ça démarre. Merci à toutes et à tous d'être avec nous sur la chaîne YouTube Adobe France et sur behance.net/live/fr. Bonjour Caroline, est-ce que tu nous entends bien? Est-ce que tu nous reçois bien? Oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, je crois qu'on t'entend. Je vais vérifier un peu dans le chat pour m'assurer que j'ai rien perdu du live, pour m'assurer que la diffusion se passe bien. Je sais que vous étiez inquiet, je sais que vous vous êtes demandé où est-ce qu'on était et ce qui se passait, mais je peux vous assurer que Caro, qui regardait le live de son côté, n'était pas beaucoup plus rassuré que vous, très clairement. C'était le risque du moment, c'est le petit bonheur du moment en ce moment. Franck joue beaucoup, Franck fait beaucoup de petits trucs et ça marche pas à tous les coups. Donc voilà, on essaye de retrouver ça. J'ai l'impression que le son est beaucoup moins bon et beaucoup moins fort que tout à l'heure. Ouais, c'est possible. Je vais le booster un petit peu ici et un petit peu en sortie. Ça devrait faire la blague. Du coup, je vais en profiter pour dire bonjour à tout le monde. Bonjour à Delphine, bonjour à Alex, à Elena, Jamila, Alexandre, Seisun, Gérald, Thierry, Béa, Clémentine, Fred, Héloïse et Benjamin. Et je pense que j'ai vu tout le monde. Et Béa et Papinou, Seb. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France et sur behance.net/live/fr. Donc je suis Franck Payen, je suis avec vous pour une heure et demie, et aujourd'hui je suis accompagné de Caroline Attia, dont vous avez pu voir une toute petite partie du travail il y a quelques secondes, puisque c'était ce qu'on vous présentait sur le petit film d'intro des French Café, des cafés français, dans lesquels donc on a reçu 5 illustrateurs. Donc la première session c'était Louisa Lafitte, puis Lulu la Nantaise, Florimond Mochel il y a 2 semaines. Dans 2 semaines, ce sera au tour de Mathieu Verlaine de s'y coller. Et d'ailleurs, petite info bonus, la session de Mathieu, comme on avait décidé de faire les sessions tous les jeudis, eh bien, ça va tomber le 14 juillet. Donc j'espère que vous serez avec nous, j'espère que vous ferez une pause dans votre barbecue pour pouvoir nous regarder. Et on se retrouvera à ce moment-là. Sur ce, je vais te poser 2-3 petites questions, comme tu t'en doutes, Caroline. La première est avec... c'est une question un peu facile, classique. Est-ce que tu peux, en quelques mots, te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Caroline Attia et je suis illustratrice et réalisatrice de films d'animation. Je travaille à mon compte depuis un certain temps, parce que je suis plus toute jeune. Et mon travail navigue beaucoup entre les deux, vraiment les deux pôles, illustration, animation, et également entre deux autres pôles, la commande et les projets personnels.
Donc voilà, dans les deux domaines d'ailleurs, aussi bien en illustration qu'en animation, je développe des projets et je fais pas mal de commandes. Voilà, Nickel. rapidement. Je vais peut-être tenter un truc, c'est de partager ton écran. Comme je suis pas Ok. encore tout à fait sûr de ce que je vais lancer, on va le faire d'abord comme ça. Touk. Donc là, on est chez toi. Et en attendant, moi, je vais préparer tac, le grand écran et on va venir tous les deux chez toi. Yay. Donc ça, c'est Cool. bon. On est chez toi. Raconte-nous un petit peu et Donc là, présente-toi. c'est mon site internet qui est fait d'ailleurs avec Adobe Portfolio. Hein. C'est tout simple parce que ça va vite fait avec Behance et que j'ai pas besoin de le programmer, que c'est très facile de mettre de nouveaux projets à jour, même si il me manque pas mal de derniers projets que j'ai pas mis. J'ai eu beaucoup beaucoup de travail cette année. Ça a été un peu, tant mieux. Hein. L'année prochaine est déjà bien bien bookée avec des projets de films d'ailleurs. Donc ça, c'est assez cool. Et voilà, ça présente un peu tout ce que j'ai fait dernièrement. C'est aussi bien donc en illustration, aussi bien des livres. Mon travail est très orienté sur la jeunesse. Hein, donc, ça, c'est un des derniers albums que j'ai illustré. On m'a proposé le texte pour Gauthier Langros qui s'appelle Les petits pipis de nuit. Une problématique que je connais pas mal à la maison en ce moment d'ailleurs. Donc, c'était Ça assez à va. propos. Rassure-moi, Voilà, c'est donc pas pour toi. quelques images. Tout a été fait entre Photoshop et Fresco. Ouais. Comme je bosse pas mal sur l'iPad aussi, ben, j'aime bien les allers-retours possibles entre Fresco et Photoshop. Donc, je commence une illustration sur Photoshop, je la continue dans Fresco, je la retravaille dans Photoshop et je la retermine dans Fresco et vice-versa. Je sais, enfin, je sais plus dans quel ordre pour chacune, mais c'est vrai que c'est assez pratique. Je fais des commandes aussi, par exemple, ça c'est un organisme pour lequel je travaille pas mal, qui s'appelle la Fondation Aga Khan, qui notamment s'occupe de tout ce qui est l'éducation des petites filles dans les pays en développement. Et là, c'était pour l'Education Day, ils m'ont commandé une trentaine, alors elles ne sont pas toutes là, mais une trentaine d'illustrations animées, donc de GIF en fait, et, qui parlaient des problématiques et de leur action dans différents pays. Donc voilà ce que ça donne. Tout est là, tout est animé dans Photoshop. On verra un peu plus tard, mais pour des choses assez simples, assez rapides à animer, j'aime bien directement les animer dans le logiciel dans lequel je les dessine. Ouais, c'est plus simple et Et c'est plus je trouve que efficace. Photoshop est vraiment très bien pour ça. C'est pas le logiciel est pas prêt pour faire de la production, je pense, sur des projets plus longs, mais pour ce genre de projet ou des petits films de commande, c'est vraiment super chouette de pouvoir rester, faire tout dans le même logiciel. Ouais, et puis je sais que quand tu nous dis ça, tu parles d'expérience parce qu'on t'avait reçu lors de la session il y a un an ou deux maintenant où tu avais présenté justement ton film sur l'aurore boréale et tu nous avais dit bah ouais, il y a une bonne partie que tu as pu faire directement dans Photoshop, mais il y a une bonne partie qui est passée sur des systèmes de prod un peu plus. Ouais, voilà. Enfin, de En toute fait, façon, j'avais le fait toutes système de les la prod, séquences quoi. de. Il y a des séquences de cauchemars qui ont rendu un peu différent. Je voulais vraiment utiliser certaines brushes dans Photoshop. Et c'était moi qui avais animé ces parties-là. Donc, je les ai fait dans Photoshop. Mais à la fin, je me retrouvais avec des fichiers qui faisaient plusieurs gigas. Et je mettais une demi-heure à les ouvrir. Donc, bon. C'était des séquences de 30 secondes avec des. En plus, j'avais utilisé des objets dynamiques à l'intérieur. Donc, parce qu'il y avait des cycles. Donc, en fait, c'est très bien parce que ça permet. Enfin, il y a vraiment des tas de possibilités dans Photoshop avec l'animation, mais c'est juste que à force, ça fait des fichiers qui sont tellement lourds que c'est des monstres et même avec une bonne machine, c'était une galère à ouvrir et à modifier, quoi, à la fin. J'imagine bien Donc, alors. je referai pas forcément comme ça tant que enfin, sur des projets aussi conséquents. Mais par contre, là, sur des GIFs animés, enfin, c'est vraiment super agréable hein, de travailler l'animation dedans. Même des films, des petits films de 30 secondes, une minute, où je peux vraiment séparer en scène. C'est des choses que je fais. Par exemple, hop, si on passe un projet que j'ai fait qui est. Qu'est-ce que je peux montrer? Bah, toujours pour la Fondation Aga Khan. Alors, je sais pas s'il y aura le son, si je partage l'écran, mais Alors vas-y, pas très teste, grave. je te Donc, prends ça, c'est un l'écran. film. Un film que j'ai fait sur le parcours de ce jeune homme qui d'ailleurs s'appelle plus John au Tadjikistan et il s'appelle Sino et je pense qu'on peut le mettre en plein écran et au moins juste
Ça, c'est vraiment un projet que je sais pas, il y a le son ou pas, non? Non, j'ai pas du tout de Non, son qui d'accord. sort. Tu peux lui demander J'ai si dans tu les veux. oreilles, Hein. donc c'est pas très pratique pour parler, mais Alors, voilà, ça, si c'est typiquement va le genre sur. de projet que j'anime dans Photoshop et que je travaille après. Je fais tout le compositing, le montage dans After Effects. Notamment comme c'est une réalisation sur certains plans où il y a quand même des passages d'une animation à l'autre. Donc voilà, bon, typiquement l'avion, ça s'est animé dans After Effects, mais tout ce qui est les petites animations de personnages un peu en boucle comme ça, où on n'est pas tout à fait sur de l'animation traditionnelle, mais un petit peu, je bouge des éléments, je les redessine. Ça permet de faire des petites animations assez simples, assez rapidement, quoi. Tout en gardant toujours les mêmes brushes avec lesquelles j'ai fait les images de base. D'accord. Du C'est coup, pas je des sais pas projets si. qui sont forcément très animés parce qu'il y a des petits budgets et il n'y a pas beaucoup de temps pour les faire. Mais c'est assez agréable. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup faire ça, quoi. Ouais, du coup, toi, tu dois avoir le son en plus. Du coup, tu dois pas trop nous entendre. Voilà, donc on n'est pas forcé de regarder jusqu'au bout. Enfin, on s'est presque fini en même temps. Après, ce qui est sympa, quand on a fait ça, c'est que c'est facile aussi d'extraire des gifs animés directement depuis Photoshop de ces projets. Ok. Alors, Voilà, donc ça, ce que je te c'est propose, Caroline, je sais pas si une. tu Oui. m'entendais pas trop. Je pense, vu que j'étais en fond, hésite pas, ouais, sur ces trucs-là, à couper le son quand toi tu le joues, parce que du coup Ah tu m'entendais pas du tout oui. et t'étais toute J'entendais tout perdue. le son, j'ai pas pensé. Exactement. Ouais, non, mais j'y ai pensé que après. Oui. Du coup, je vais revenir vite fait sur le chat parce qu'on est quand même quelques-uns. Il Bien sûr. y a Clémentine qui nous dit qu'elle est trop contente de retrouver Caroline sur la chaîne. Elle aime beaucoup ton travail. Merci. J'ai des commentaires de Delphine qui nous dit magnifique ce film. Delphine est super contente aussi parce qu'elle t'avait déjà vu auparavant. Bruce me dit le travail de Caroline est vraiment très agréable, je suis bien fan. Beau travail d'Illus et d'Anime pour Gérald et Béa trouve que c'est magnifique. Donc ça, c'était important de le dire. Je sais Bah que ça fait merci, un ça fait peu. plaisir. Ouais, ça, tu sais, ça fait un peu genre, mais arrêtez de passer de la pommade, En mais franchement, c'est très mérité et c'est fait, très ils ont cool. envie que je devienne toute rouge à l'écran, c'est pour ça, donc. C'est ça, mais en fait, c'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour refaire la colorimétrie des caméras. Tu changes la couleur de l'artiste directement en lui voilà, faisant donc des ça, c'est compliments. des films de commande à la Fondation Aga Khan. J'ai fait peut-être quatre films comme ça avec eux, plus des illustrations sur différents projets. Ok. C'est vraiment, enfin, j'aime vraiment beaucoup travailler avec eux. C'est toujours assez, enfin, déjà, c'est une super cause. Enfin, c'est vraiment leur travail est vraiment, vraiment super important. Et puis, voilà, comme on a travaillé ensemble depuis un moment, ils me font assez confiance. Et après, donc ça, c'est un peu la commande, à la fois les livres qu'on vient me commander, des illustrations pour de la commande. Par exemple, j'ai fait des illustrations pour un site pour la Croix-Rouge avec des conseils de bébé, ce qui tombait bien parce que à ce moment-là, ma deuxième avait peut-être un an et demi, donc elle était en plein dans tous Dans les ces couleurs. questionnements, Ouais. toutes ces questions, pourquoi bébé pleure-t-il? Enfin voilà, c'était assez marrant parce que c'était des narrations entre des logigrammes, des sortes de mini BD, enfin tout ça pour animer le site internet, des choses que j'avais jamais faites avec des schémas, des trucs comme ça. Donc ça, c'est vraiment le genre de choses sur lesquelles on vient me passer commande, et c'était sympa parce que ça a duré pendant un an. J'en ai refait il n'y a pas longtemps avec des commandes régulières. Mais alors, du coup, sur des trucs comme ça, toi, tu es à la fois à la réalisation, donc à l'illustration là-dessus, mais aussi à la conception, où on te fournit tout le contenu, tout le. Il y avait déjà une sorte de contenu et des schémas qui étaient fournis pour le coup, avec le texte et puis des idées de. Les tout premiers étaient plus précis, puis après, comme on a commencé À mieux se connaître, peut-être. à se connaître, mais parfois il me faisait des schémas, parfois j'avais juste des descriptions de ce qu'il y avait dans les cases, donc il y avait quand même tout un travail de conception qui était fait en amont. Surtout que c'est des choses assez techniques, avec des assistantes maternelles, des directrices de crèche qui était là pour vraiment écrire ce qui se passait. Après, j'ai donné mon input, notamment parce qu'il y avait trop de texte, qu'il fallait en enlever, essayer de voir comment on pouvait simplifier certaines choses, parce que le visuel peut dire des choses que le texte, qui n'a pas besoin d'être répété dans le texte après aussi. Donc ça, je pouvais faire part de mon expertise. Et après, donc, je travaille sur des projets personnels.
Donc j'étais venue présenter mon travail sur Au pays de l'aurore boréale. Ça, c'était un court-métrage personnel qui est sorti, hélas, juste sa carrière en festival pendant le Covid. Donc il a beaucoup tourné Toujours en bien. festival, Ouais. mais en ligne. Par contre, il va sortir en salle en novembre Ah, ça avec c'est un une bonne autre film de nouvelle. Folimage. Il sera Ouais. distribué par GBK, donc ça, c'est super cool. Je vais pouvoir enfin aller rencontrer un peu le public. Et en ce moment, je travaille sur deux projets enfin, deux projets de films qui sont des projets à moi. Donc il y a Le Noël des animaux. J'étais venue aussi présenter Tu des nous avais petits tests d'animation dans présenté Photoshop il y a la quelques années. cigogne qui avait le nez qui coule et qui Voilà, éternue. exactement. Donc ça, la production va enfin démarrer, le film est financé. Cool. Donc c'est un long métrage à chapitres et on est six réalisatrices à faire chacun un chapitre et je commence le mien en septembre. Donc normalement, si tout se passe bien en salle en Noël 2024. Et un autre projet que j'ai écrit qui a une forme un peu plus longue, c'est un spécial télé. Donc les spéciaux, c'est 26 minutes. C'est une sorte de moyen métrage en fait, mais c'est pour la télé. C'est un unitaire qui s'appelle Le Chant des orages et que je coécris avec une amie à moi, Claire Sichet. Et là, on est en train de faire un pilote chez Sacrebleu Productions pour le présenter en septembre à un événement qui s'appelle le Cartoon Forum. D'accord. Donc ça, je peux vous montrer Ah bah écoute, quelques images, quelques visuels. avec plaisir. Quelques visuels du projet, voilà, les premiers visuels. Donc, qui sont les visuels du dossier, en fait. Ouais. Et alors, je vais dire une bêtise peut-être, mais on t'avait vu faire des personnages dans l'orage à l'époque sur Giverny notamment. Ouais. T'as conservé cette ambiance sombre. Alors, c'était pas tout à fait l'orage dans Giverny, mais ouais, c'était les... Pas forcément d'orage. Il y avait de l'orage dans le pays de l'aurore boréale, par contre. Mais en fait, l'histoire est assez. C'est une idée qui m'est venue pendant un atelier d'écriture. C'est l'histoire d'une petite fille qui entend la musique qu'émettent les orages. C'est la seule à l'entendre, c'est un peu un don, une particularité. Puis un jour, en fait, cette musique des orages, ce chant des orages, du coup, est complètement différent d'habitude. Et les animaux autour d'elle se mettent à avoir des sortes de crises d'épilepsie un peu bizarres. Et du coup, elle fait vite le lien entre les deux avec sa meilleure amie. Elles partent enquêter pour savoir qu'est-ce qui perturbe les orages, en fait. Donc voilà, donc ça, Du coup c'est l'enquête. Tout le film, c'est autour de cette enquête, d'elle d'accepter aussi son don, parce que les gens la prennent un peu pour une petite fille étrange, quoi, parce qu'elle entend les orages. Et ils vont se rendre compte que c'est réel et que ça lui permet, du coup, ça va lui permettre de résoudre cette énigme. Donc Ok. voilà, les recherches de personnages. J'aime bien travailler les personnages assez vite en couleur, hein, parce que je travaille pas mal en forme, pas forcément au trait au début quand je recherche. Voilà, hein, pour quelques visuels pour avoir une idée de l'ambiance. Ça, c'est un personnage qui n'est plus dans la nouvelle version, le grand-père. Vous avez peut-être lancé Donc la la meilleure amie préparation qui trop porte le tard. nom de ma fille, évidemment. Et l'héroïne qui s'appelle Émilie, et la blonde, c'est Manon comme ma fille. Voilà. Et j'avais été invitée au Maroc en octobre dans une résidence de développement où j'ai pu travailler pas mal les visuels et retravailler le scénario à Meknès, à l'Institut français de Meknès. C'était vraiment cool parce qu'on était plusieurs réalisateurs ensemble. C'était en plein entre deux pics de Covid où on pouvait voyager. Donc Ce sont des choses qui arrivent, les pics de Covid. ouais, je pense qu'on va en avoir pour des dizaines d'années, mais on va vivre avec, quoi. Je pense, ouais. Je crois qu'on va vivre avec et qu'on va réussir à s'en sortir et que ce sera très bien. Oui, voilà. Donc voilà, justement sur le thème des orages, il y a une maison d'édition allemande avec laquelle j'aime beaucoup travailler, qui s'appelle Gestalten, et ils ont leur branche jeunesse qui s'appelle Little Gestalten. Et pendant le Covid, justement, l'éditrice m'avait contactée en me disant, ah ben, on aimerait bien refaire un livre avec toi. Est-ce qu'il y a des sujets qui t'intéresseraient? Et comme j'étais en plein sur les recherches sur le chant des orages, je dis, ah ben, tout ce qui concerne la météo, c'était des sujets qui me passionnaient quand j'étais enfant, donc c'est sûr que j'aimerais bien faire un livre là-dessus. Donc ils avaient ce projet. Enfin, elle m'a proposé plusieurs projets sur lesquels elle avait déjà des textes, des débuts de textes. Et donc, du coup, on a travaillé là-dessus, Whatever the Weather. C'était sur tous les phénomènes météo. C'est un livre documentaire, mais qui est vraiment présenté sous la forme d'un album illustré, quoi, avec vraiment des pages illustrées,
Enfin, c'était vraiment un travail très chouette. Puis j'étais là vraiment en amont sur ce projet. Donc les textes étaient en train d'être écrits aussi en fonction des illustrations que j'étais en train de faire. D'accord. Voilà quelques-unes des images. Il n'y a pas. Enfin voilà en gros les pages à quoi elles ressemblent. Puis ils ont même utilisé une de mes images pour faire le catalogue. Donc Du c'était coup, assez cool. c'est C'était un full projet que bonheur j'ai dessus. qui m'a beaucoup plu aussi. Donc il y a D'accord. des projets, évidemment, hein, tous les projets ne sont pas aussi fun. On est bien obligé de. Enfin, c'est quand même un métier, donc parfois on fait des choses qu'on aime le moins. Mais avec le temps, de plus en plus, j'ai le loisir de dire non à. Enfin, j'ai quand même le luxe de dire non à pas mal de choses. Ouais, puis c'est un truc où enfin, effectivement, comme tu le dis, on le voit avec le temps, cette capacité à dire non, elle dépend aussi beaucoup de ta maturité, elle dépend aussi des envies, peut-être aussi, là-dedans. Elle dépend des envies, puis elle dépend de si on a beaucoup de travail ou pas. C'est plus facile de dire non quand Quand on mange. l'agenda est surchargé que quand on est dans une période de creux et où Tout à là, fait. bah, on va accepter des choses qu'on n'accepterait pas forcément en temps normal. Mais bon, aussi le fait d'avoir des enfants, d'avoir une famille, d'avoir des horaires un peu fixes, ça oblige à être plus rationnel dans le nombre de projets qu'on accepte. Ce qui n'était pas forcément ce que je faisais quand j'étais plus jeune, où je travaillais tous les jours jusqu'à minuit, 1 h du mat. Mais bon, quand on a 20 ans, 30 ans, enfin même, non, plutôt 20 ans, 25 ans, on n'a pas la même énergie qu'à mon âge. Carrément, je vois bien, je vois fort bien. Non, bah écoute, c'est super tout ça. J'ai une petite question qui nous est arrivée tout à l'heure dans le chat de la part de Gérald qui me dit, mais du coup, sur ce genre de projet, le brief t'est envoyé, alors on était, je pense, la question date un peu, elle était sur Aga Khan. Ou Ouais. sur le suivant, est-ce que le brief t'est envoyé sous forme de storyboard ou est-ce que c'est toi qui board aussi? Là, c'est moi qui board. Pour Aga Khan, en général, ils m'envoient la liste des phrases qu'ils ont envie qu'y soient mises. Donc, j'ai juste un scénario avec quelques phrases. Il n'y a même pas de visuel qui correspond aux phrases. Hein. C'est moi qui vais penser. Ils ont déjà des idées parfois de. Sur ce film sur le Tadjikistan, par exemple, celle qui s'occupait du projet, la chef de projet là-dessus, elle avait très envie qu'on représente sa famille à elle. Donc, j'avais des photos de sa famille, des photos des lieux. Mais il y avait l'histoire, c'était vraiment autour de ce personnage, toutes les possibilités qu'il pouvait avoir à développer au Tadjikistan. Mais vraiment, j'ai développé le storyboard à partir de ces textes. Et en plus, j'interviens parfois sur les textes parce qu'il y en a trop par rapport à la durée de la vidéo. Donc en général, je fais des propositions directement sur le storyboard puisque là, les textes sont écrits de ce que j'imagine comme wording, enfin, de les réduire, quoi. Ouais, Mais carrément. évidemment, c'est de l'anglais, donc c'est pas toujours parfait ce que j'aurais écrit, mais bon, c'est un aller-retour, c'est une conversation, c'est toujours ça qui est important. Ouais, et puis de toute façon, comme tu. Enfin, si c'est. Si eux te proposent un texte au début, un story, que toi tu réécris et que tu rebouges, et c'est forcément un travail en collaboration avec l'éditeur, avec le diffuseur dessus, c'est un. Je me demande, je regarde juste, je sais pas si j'ai pas d'ailleurs sur un des films. Ouais, par exemple, là, j'ai une animatique d'un des tout premiers films que j'ai fait. C'est pas forcément le tout dernier, mais la première version, mais. On va couper le son. Non, ouais, coupe le son pour pas que tu sois pour que tu m'entendes encore. Voilà, pour avoir une idée de ce à quoi ça ressemble en général, pour faire valider, quoi. Donc, je fais un storyboard qui est quand même assez précis, enfin, en termes de timing. Mais c'est quand même, c'est pas des dessins très. Sont relativement roughs, quoi. Quelque chose qui me prend pas trop longtemps non plus. Voilà, c'est tout. Là, il n'y avait qu'un petit bout de. Un petit bout. Et ce que ça donne au final. Pareil, on va couper le son. J'ai pas d'icône de son là-dessus. Peut-être pas de son. J'ai pas l'icône du son, bon, c'est pas grave. Dans ce cas-là, je dis rien et comme ça, tu ne t'essaieras pas de m'écouter. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Bien joué. Bien joué, bien joué. Donc voilà, ça correspondait à cette partie-là, ce qu'on a vu en animatique. Ça, c'est le tout premier film que j'avais fait pour eux. Ça a mis un peu plus de temps à mettre en place le process, les allers-retours et tout, mais bon, ça, c'était quand même assez. On était assez contents du résultat. Il y en a, ouais, il y a celui-là,
celui-là et celui-là aussi que j'ai fait avec eux. Puis ce projet-là, puis j'ai fait un ou deux autres projets, j'ai pas forcément le temps de mettre les pages, de le mettre sur mon site. Alors ça, c'est toujours la même problématique pour tous les artistes, c'est-à-dire qu'on lance des projets, on se met dessus, on avance, et le fait de finaliser le portfolio, c'est le dernier élément, dernier temps. Ouais, alors j'ai tendance à dire, idéalement, il faut le faire régulièrement, mais là, j'avoue que cette année, je suis très très mauvaise là-dessus. J'ai quand même mis quelques trucs, mais j'ai. Une chose à la fois. Ouais, puis j'ai fait pas mal de choses que j'ai pas le droit de montrer, enfin, Ouais, il y a toujours les qui sont notions jamais de sorties confidentialité ou je sais pas s'ils sont tangible. sortis, donc c'est compliqué. Ouais, et puis tu nous l'avais expliqué, tu étais aussi pour ton court-métrage, tu étais aussi dans l'attente, toi, des diffusions à l'époque aussi, genre si c'est en Oui. festival, tu peux pas le montrer parce qu'il y a des exclusivités, par exemple. Ah bah ça, je peux toujours pas le montrer. Je peux montrer que la bande-annonce qui est sur le site de Folimage, parce que tout simplement il sort en salle. Donc, Ouais, et carrément. qu'après il aura probablement une exploitation en DVD, donc il va pas être Il sera pas disponible en ligne, voir sur ouais. les chaînes, je sais pas. Donc forcément, il sera très très peu accessible en ligne avant un moment, je pense. Ouais, carrément. Parce qu'après, il y a des chaînes enfin, en général, ils finissent sur des chaînes en VOD comme Banshee ou des choses comme ça. Banshee qui a une très très belle programmation, jeune public d'ailleurs, avec des choses vraiment différentes de ce qu'on peut trouver sur les gros Les gros canaux. Netflix, Disney et tout ça. Ouais, carrément. Puis qui donne aussi leur voix à tout un tas de plus jeunes auteurs, sans doute. Plus. Ou des auteurs de courts-métrages, tu vois, parce qu'en animation, vraiment, il y a des gens qui font que du court-métrage. C'est devenu depuis quelques années où tout le monde veut faire du long-métrage, mais il y a encore, moi, quand j'ai commencé, enfin, les réalisateurs n'avaient pas envie de faire du long-métrage parce que ça sert d'os et un premier long-métrage, ça peut prendre une dizaine d'années entre le moment où tu commences à l'écrire et le moment où il sort en salle, voire plus, hein. Donc, et même quand ça se passe bien, c'est 4-5 ans, quoi. Ce qui fait Donc. une grosse un gros boulot là-dessus, une grosse attente. C'est pas du tout les mêmes process. Quand tu fais un court-métrage, tu as vraiment une petite équipe, donc pas mal de contrôle sur chaque image, en fait, sur vraiment ce à quoi ça ressemble. Sur le long-métrage, il faut arriver à déléguer encore plus et à ce que ça t'échappe, même si tu fais la réalisation, à ce que ça t'échappe un petit peu plus, parce qu'il y a beaucoup plus d'intervenants dessus. Donc voilà. Puis il y a plus d'enjeux financiers, évidemment, donc il y a plus de gens qui ont leur mot à dire sur pas mal de choses. Ouais, Mais bon, ça c'est. il y a des réalisateurs de courts-métrages qui ont fait de très très beaux longs-métrages, comme Michael Dudok de Witt, par exemple, qui a fait La Tortue La Rouge. Tortue Rouge, ouais, il est parti du Moine et du Poisson et il a terminé sur La Tortue Rouge. Ouais, Enfin, terminé, il y a eu s'excuse. Père et Fille, qui est un super beau court-métrage aussi. Enfin, et La Tortue Rouge, qui pour moi est un chef-d'œuvre. Après, on n'aime pas le côté contemplatif. Moi, je suis à fond là-dedans, donc j'adore ça. Mais voilà, il y a des réalisateurs. Sébastien Lodenbach, qui a fait La jeune fille sans main, mais là, pour le coup, il l'a fait comme un court-métrage, il l'a fait tout seul. Et là, j'étais à Annecy il y a 2 semaines, et il est en train de travailler sur son prochain long-métrage, où là, c'est plus un vrai travail d'équipe. Il expliquait son process. Il le co-réalise avec sa femme, d'ailleurs, qui est une réalisatrice de documentaires. D'accord. Et ça va être super cool, mais ça va être encore différent de La jeune fille sans main, parce que là, il y a vraiment plus un process, un peu d'un pas d'industrialisation, mais au moins De de mise en rationalisation production peut-être. avec des équipes, quoi. Ouais, parce que tu as forcément ces questions-là, justement, de comment et de sous quelle forme on fabrique la production d'un film. Exactement. Est-ce que tu es en autonomie? Parce que sur un court, tu peux te le permettre. On a reçu, toi, on te reçoit régulièrement, donc des courts-métrages, on en voit quelques-uns. Mais par exemple, il y avait Florentine Grelier qui fait tout toute seule dans son Ouais. coin, dans ses ateliers. Et après, dès que tu commences à arriver sur plus gros, pour pas que ça dure une éternité, tu es obligé de t'entourer d'une vraie équipe, quoi. Bah, sur Aurore Boréale, j'avais déjà une équipe, hein. Il y avait quatre animateurs, donc il a fallu rationaliser les designs des personnages, enlever un certain nombre de lignes, choisir quel type de brush allait être utilisé dans. Bah, là, c'était d'Anti-V-Paint pour les contours, pour les intérieurs. Enfin, il fallait que tout soit rationalisé pour que tout se ressemble. Et puis que ce soit faisable aussi dans les temps de production, parce qu'on a assez évidemment qui dit production dit budget, donc. Il faut que tout soit faisable dans un certain temps et un certain nombre de secondes par jour par animateur. Ouais, ça c'est un truc, je pense.
quand on se lance et qu'on démarre une carrière, c'est un truc dont on n'a pas forcément conscience, quoi. C'est genre, ouais, je vais faire un Je pense dessin que ceux qui animé. font des écoles d'animation un petit peu plus, parce qu'ils ont quand même des exercices, des films à faire dans certains temps, mais ils ne se rendent pas compte, ils ont vachement de luxe en fait en termes de temps, ils peuvent vraiment se... Mais oui, ça c'est des choses qui s'apprennent, ça s'apprend de toute façon. Après, normalement, il y a des gens en production, des chargés de production qui sont là aussi pour s'occuper de faire respecter les délais, De les rationaliser le timings, truc. les plannings. Enfin, moi, j'aime bien avoir l'œil dessus, être sûr qu'on est dans les temps. Comme je viens du film de commande, j'ai commencé par les films de commande avant de faire des films perso. Une date de livraison, c'est une date de livraison, quoi. Si tu te plantes sur une date de livraison quand tu es en commande, c'est assez compliqué. Alors Ça que se voit. sur des projets perso, bon, enfin des projets de court-métrage, des choses comme ça, parfois il y a un peu plus de mou. Mais bon, j'aime bien que les choses soient assez carrées. Ouais, et puis si tu veux être sûr de pouvoir finir le film et faire le film suivant, etc., il faut. Bah sinon, en général, en court-métrage, ce qui se passe, c'est que c'est les réalisateurs qui finissent tout ce qui n'a pas pu être fait dans le budget. Donc, tu peux passer 2, 3 mois à travailler gratuitement pour finir ton film, quoi. C'est ça, t'as intérêt d'avoir bien 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 visé au début. Voilà. Ce qui D'accord. n'était pas du tout le cas sur Aurore Boréale, on était vraiment bien. Non, puis en plus t'avais vraiment bien cadré le. T'avais bien Oui, vraiment bien puis cadré le j'ai coup, mis quoi. un peu la main à la pâte quand il était nécessaire de le faire, pour soulager un petit peu, enfin, les animateurs, en prenant notamment les séquences de cauchemar. Mais ça ne me dérange pas, au contraire, tu vois, c'était cool, quoi. Enfin, c'était une prod qui s'est vraiment super bien passée, et c'était à distance, avant le Covid. Parce que le studio était à Valence et que moi j'étais à Paris avec un enfant à l'époque, mais petit. Et il était hors de question que j'aille passer, enfin, je pouvais pas me permettre d'aller passer 4 mois, 5 mois du temps d'animation là-bas. Mais j'y allais tous les mois, 1 ou 2 jours, 2, 3 jours, et ça s'est super bien passé. Comme Carrément. quoi, c'est faisable. C'est faisable, hein, ça s'organise. Il y a Béa qui nous dit: Caroline, ton coup de crayon est très doux, tes visages sont pleins de bonnes expressions, j'adore, bravo. Merci. Donc ça c'est cool. Ouais, le côté très doux, c'est pas voulu, en fait, c'est venu naturellement. Quand je suis sortie des études, je faisais plutôt des illustrations un peu de mode, parce que j'étais allée à New York faire un semestre d'échange à la School of Visual Arts. Et j'avais un prof d'illustration de mode que j'adorais, en fait, qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Du coup, je m'étais mise à beaucoup regarder ce qui se faisait et à faire ça. Puis, quand je suis rentrée à Paris, j'ai fait un peu des illustrations pour elle. Mais naturellement, mon travail est revenu vers du jeune public. Et je pense que c'est parce que c'est la période où mon imaginaire a été le plus marqué. Quand j'avais 8 ans, 7, 8 ans, 9 ans, quand je regardais des films comme L'Histoire sans fin ou La guerre des étoiles, des choses comme ça, quoi, Qui te qui m'ont permettent de vraiment, construire en vraiment fait très une fortement culture, impressionné, peut-être. marqué dans leurs histoires et dans la narration, dans ce que j'ai eu envie de raconter. C'est des périodes où je lisais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de romans. Genre 3-4 par semaine, enfin, j'étais avide de lecture. Donc raconter des histoires, c'est pas quelque chose auquel je pensais, parce que moi j'avais qu'une seule envie, c'était dessiner, mais finalement les deux sont mêlés et je dessine pour raconter des histoires. J'arrive pas à faire du dessin pour faire du dessin, quoi. J'ai vraiment besoin maintenant qu'il y ait une histoire qui soit le moteur derrière. Enfin, pas quand c'est de la commande, mais sur mes projets à moi, j'ai vraiment besoin de raconter des histoires. Ouais, de toute façon, tu le disais un peu plus tôt aussi, ta participation à un atelier d'écriture, ça joue aussi. Enfin, Oui, j'essaie de me former un peu à l'écriture parce que je suis autodidacte sur cet aspect-là et j'ai pas mal de lacunes. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, de plus en plus, je vais vers la coécriture que l'écriture seule. Ce qui est d'ailleurs très, très agréable parce que, en fait, quand tu écris, tu as besoin de beaucoup, beaucoup de temps de recul pour que les idées mûrissent et tout, alors que quand tu es à deux, c'est un ping-pong. Ce temps-là, il est instantané, quoi. Parce qu'il y a Carrément. un œil extérieur en face de toi. Bon, chacun est l'œil extérieur de l'autre. Et puis justement, la présence de l'œil extérieur, ça fait que t'es sûr de pas avoir le truc de je m'enferme en boucle sur quelque chose qui coince, qui marche pas, et ou de voir effectivement les écueils majeurs de l'histoire, genre mais ce personnage-là, il est arrivé, il sert plus à rien. Ah non. Ouais. Tu nous Ou ces l'avais personnages, survendu on au début. s'attache pas du tout à lui. On ne comprend pas ses motivations. Enfin. Ces choses-là, quoi. Ouais, Ils carrément. sont super importantes et
Si tu les apprends pas, c'est très, enfin, tu penses pas à ça en fait. Tu penses pas, mais toute l'histoire en fait, elle est guidée par le personnage principal, par son évolution au cours de l'histoire. Carrément. Carrément, carrément. Et je me demandais si ce serait pas le moment aussi de nous montrer un petit peu toute la partie des cafés français. Qu'est-ce qu'on pense? On peut. Bien sûr. Donc on va passer sur Photoshop. Donc pour Yay! les cafés français, on avait chacun à faire à peu près 5 illustrations qui étaient animées par Max. Sauf que moi, comme je suis animatrice, ben, il a animé certaines de mes illustrations, hein, notamment j'ai fait une fanfare. Parce qu'il fallait lier pour ce projet, il fallait qu'on lie notre expérience des cafés avec ce qu'on allait dessiner. Et comme j'explique dans le. Il y a un petit portrait vidéo qui a été filmé, et j'ai brièvement, pendant 1 an et demi, j'ai joué dans une fanfare aux Arts Déco. Quand je suis arrivée aux Arts Déco, j'avais absolument envie de faire partie de la vie de l'école, parce que j'étais trop contente d'être rentrée dans cette école. Et quand on nous a dit qu'il y avait une fanfare, et qu'il y avait une fanfare par année, je jouais pas d'instrument. Enfin, j'avais joué du piano, mais je jouais aucun instrument avant. J'ai dit, ouais, je veux en faire partie, trop bien. Et comme mon père avait des saxophones à la maison, je me suis mis au saxophone pour en faire. J'ai joué pendant 1 an et demi, c'était rigolo, mais. Les autres qui étaient dans la fanfare étaient beaucoup plus motivés, ils passaient vraiment, vraiment tout leur temps ensemble à en faire. D'ailleurs, cette fanfare existe encore. Et moi, quand même, ma passion, c'était vraiment le dessin, l'animation. Donc, Il faut Mais faire des c'était une choix, du période, c'est coup. une période que, ben voilà, qui m'a beaucoup marquée. Et du coup, quand on m'a parlé des cafés, ça me faisait penser à ce café, le pantalon qui était plein de signes de circulation, de C'est un, un, pardon, c'est un café qui est vers le Panthéon, le D'accord. Pantalon, le Panthéon. Et on jouait régulièrement, il y avait des fanfares, et puis on y jouait assez régulièrement. Tous les apéros des Arts Déco étaient souvent là-bas, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est une illustration que Max a animée. Mais après, il y a des illustrations qui avaient besoin d'être image par image. Donc il y en a deux notamment que j'ai animées moi. Et j'ai tout fait dans Photoshop, hein, comme je disais, sur des petites séquences comme ça. Donc, il y avait cette scène, ce gros plan un plateau avec des verres et des tasses de café, et sur lequel j'ai pensé animer des petits nuages qui pleuvent de l'eau dans les verres, quoi. C'est Voilà. Donc, eux le qui mettent grand et la puis le petit qui qui font de l'eau. essaye un peu plus Ouais. difficilement, et le grand qui regarde de façon bienveillante le petit. Voilà, Ils c'était sont une tellement mignons, tes petite petits scène nuages. avec un petit acting. C'était assez chouette à animer. C'était une anime assez simple. Et comme vous pouvez le voir, donc comme d'habitude, hein, pour faire de l'animation dans Photoshop, il faut ouvrir la fenêtre de montage, créer il y a un petit message qui vous dit de créer une animation. Et moi, j'utilise pas la partie GIF. J'utilise vraiment le montage vidéo, et j'utilise les calques vidéo, où toutes les images, en fait, tous les calques, si on ouvre un calque vidéo. Ouais, on C'est des retrouve le calques en calque fait image par qui, en image, quoi. fonction de l'ordre d'empilement, ils apparaissent, ils se mettent en ligne. D'accord, ouais, Donc, ce qui est c'est ce vachement qu'on voit important dans quand on fait de ton. l'animation, hein, comme on peut vite, très vite avoir plein de calques, plein de. C'est de bien tout nommer. Et j'utilise aussi pas mal les étiquettes de couleurs. Ah oui, ce que j'aime bien utiliser aussi, hop, c'est la barre Anime de dessin l'anime dessin. de Stéphane. Qui a été faite par Stéphane Baril, parce que ça, il y a plein de raccourcis qui sont paramétrés en fait, notamment tout ce qui est les raccourcis de pelure d'oignon, les réglages de la pelure d'oignon. Alors là, vous ne les voyez pas parce que c'est sur mon autre écran, mais on peut choisir combien d'images avant, après, l'espacement des images, l'opacité, le mode de fusion aussi. Tout à fait. Donc j'avais bien séparé, hop. J'avais bien séparé en différentes parties. Pour pouvoir réutiliser certains éléments, mes nuages. Donc, pour un nuage et la forme du nuage, juste la forme qui est animée toute seule, Nice. par-dessus le visage, les éléments du visage. Et je crois que j'ai même séparé les joues sur un autre calque. Évidemment, la pluie était aussi sur un calque séparé, quoi. Et pour le coup, c'est une pluie à la main, goutte par goutte. C'est pas Ouais, une pluie. voilà, il n'y a pas. C'est des cycles, hein, il n'y a pas énormément d'images. Il y a 2, 3, 4. Ouais, 4 images différentes, en fait. C'est pas très compliqué, hein. Et c'est pareil. En fait, quand je mets des couleurs,
C'est au moment où les cycles se déclenchent et après, c'est les moments où ils changent. D'accord. Ouais, comme ça, toi, t'arrives à te repérer facilement si tu Pour dézoomes, me tu vois repérer mieux où facilement, t'en es. voilà, si je dois recopier un cycle, si je décide qu'un cycle fonctionne plus et que je dois le modifier, voilà. Là, en fait, c'est le même cycle, là et là, je pense. Sauf qu'il y a toute cette partie au début où le nuage apparaît, puis on passe sur le cycle. Puis ensuite, on passe. Bon, là, ça Ah devrait oui, il y pas a être le vert, tour de mais par regard exemple. qui. Là, c'est le début de l'animation qui change. Et là, on reprend le cycle. Ok. Du vert au vert, en fait, et après, on reprend le cycle. Ouais, en fait, t'as plusieurs boucles qui s'enchaînent, ce qui fait que ça t'évite aussi Ouais. d'avoir la monotonie sur une réalisation, enfin sur une boucle où on sentirait assez vite que Oh, t'es non, sur non, c'est la trois même boucle, secondes. mais sauf que ma boucle, enfin, la boucle, puis après, il se tourne et il revient. Ouais, Tu mais vois? justement, Donc, le vert, c'est le il se moment où tourne. le nuage se tourne. Ouais, c'est Et ça. mon petit nuage, c'est pareil, il y a d'autres couleurs. Attends, on va regarder ce que c'est. C'est un moment que je les ai faits, donc je ne me rappelle plus exactement. Et pendant ce temps-là, il y a Olivier qui nous dit, ah bah justement, j'allais en parler d'anime dessin. Parce que j'ai posté le lien dans le chat. Hein, je l'ai posté sur le chat Beyond et je l'ai posté sur le chat YouTube. Donc vous avez les liens. Il nous disait que c'est excellent, mais quelle poésie dans le visuel et dans la réalisation. Merci. Merci beaucoup. Hop. Ouais, donc le petit nuage, d'abord, bon, il y a l'apparition, il y a un premier cycle, puis après, il va faire son effort. Là, il y a un deuxième cycle dans l'effort. Et là, après, il revient. Tac. Et on repart sur le cycle. Ouais, tu conserves, enfin voilà, t'as ce rythme-là, t'as cette régularité-là. Tu sais, on a fait juste avant tes sessions, on a fait 3 jours avec j'ai pu retrouver son nom, avec Manon Loire, qui était Oui. avec nous 3 jours pour justement montrer comment elle réalisait ses animations, comment elle animait pardon ses illustrations directement. Et elle avait justement cette notion du cycle d'animation qui est importante. Est-ce qu'on boucle, est-ce qu'on est dessus, etc. Et c'est vrai que c'était très très chouette. Ouais, bah les boucles, ça permet quand même de. Enfin là, c'est surtout pour pas qu'il soit fixe. J'avais pas envie que ce soit fixe, comme c'est un nuage. J'avais envie qu'il y ait une forme de vibration un peu en permanence. Donc c'est vraiment juste le même nuage qui est redessiné. Donc ce que je fais, c'est que j'en prends un en référence en dessous que je mets en opacité, qui est toujours le même, et je redessine les différents sans regarder celle d'avant et celle d'après, mais juste la même avec l'opacité. Parce que sinon, ça va trop se transformer. Si je D'accord. passe, si je fais la pelure d'oignon sur l'image d'avant et l'image d'avant. Parce qu'au fur et à mesure, ça se transforme, ça se transforme. Du coup, ça ne rebouclera pas sur la première image. Ouais, donc tu es obligé de reprendre la première image en tant que Voilà, donc je dernière prends avant toujours de. la même image de référence et je redessine par-dessus. En général, je dessine le contour, puis je me passe de la pelure d'oignon ou de l'opacité ensuite, quoi, pour finaliser. Mais du coup, ça crée une espèce de vibration. Après, ce qu'on peut faire, si on trouve que c'est trop systématique, c'est mélanger les images aussi dans un cycle. D'accord. C'est-à-dire que ton cycle, il fait 1, 2, 3, 4, 5, et au lieu de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, etc., tu fais 1, 4, 3, 5, 2, 1, 2, 5, 3, 4, et tout D'accord. ça. Ça, c'était un Ah, de j'avais mes, bah, jamais. Sébastien Lodenbach, dont on a parlé, qui a fait La jeune fille sans main, qui était un de mes tout premiers profs d'animation aux Arts déco, qui m'avait appris ça. Et ça marche vraiment bien, quoi. Et puis la vibration, je trouve que dans une animation un peu traditionnelle, c'est important, c'est cool, quoi. Si on peut se permettre de le faire, ça donne vraiment de la vie. Là, en plus, sur des nuages. Et il y a une deuxième animation que j'ai faite qui était un peu plus technique à faire parce qu'elle devait être animée sur la vidéo. Donc il a fallu l'animer image par image, je crois. C'est ça. Hein. À 25 images secondes. Donc et là, on va couper le son. Hop. Bon, ça lague un peu, mais je pense que. Ici, ça a Voilà. l'air clean en termes de Et diffusion. ah oui, je vais avoir une partie qui est dans un. D'ailleurs, j'ai même une partie qui est dans un objet dynamique. Oui, donc tu as une partie d'animation qui est dans un premier objet dynamique et le Ouais. reste de l'animation qui est dans le contenu Oui, et en complet. fait, pourquoi j'avais fait ça? Parce qu'à partir d'un moment, comme il n'y a plus le plateau, à Ouais. partir du moment où il n'y a plus le plateau, du coup, j'ai créé un mouvement, enfin, j'ai animé mon truc sur mon animation sur place. Et j'ai créé un mouvement pour simuler le mouvement de la caméra. Là, on peut voir d'ailleurs.
ici, là, que j'ai des points clés. D'accord, ouais. Dans Fumée, j'ai une transformation et juste je le grandis pour donner l'impression qu'il suit la caméra. J'ai tâtonné, mais du coup, c'était, j'avais pas besoin, en fait, sur les images précédentes, j'avais vraiment besoin de suivre la tasse de café, quoi. Image par image. D'ailleurs, parfois, j'ai juste redéplacé la même image. Deux Voilà, fois. celle-là et celle-là, c'est la même image qui est déplacée. Peut-être un tout petit peu retouchée. En général, j'animais à deux, puis après, j'ai commencé. D'ailleurs, on peut voir en dessous que j'ai une autre animation que j'animais sur place D'accord, pour ouais, le début. tu fais ton sur place et après le bouger. Et ensuite, je l'ai replacé image par image et en redivisant encore. J'avais fait pas mal d'essais, hein, quelques-uns qui marchaient pas trop. Voilà, c'était un premier rough avec juste des poses clés à la fin. Voilà. Ça a été un peu compliqué à mettre en place. J'ai une petite question d'Olivier, Olivier Ouais. Huard, qui nous dit, Caroline a-t-elle testé les animations avec Fresco? Un petit peu, oui. J'ai testé, j'en ai fait une. Histoire de Je ne voir, sais pas si histoire je vais la de. retrouver, parce que je pense qu'elle est. Elle est Ce qui est un enfouie peu loin. dommage, c'est que pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas de. On peut pas la réimporter dans Photoshop comme un Comme calque une. d'animation Ouais, Photoshop. je suis d'accord. Ça c'est un truc que j'ai demandé. Pour l'instant, on peut l'exporter en séquence PNG. Donc, tu as fini ton travail dans Fresco. Ouais, mais on ne peut pas la retoucher dans Mais ouais, Photoshop, c'est je suis d'accord. dommage. Mais j'avais fait un petit test justement quand j'étais au Maroc sur le champ des orages. J'ai travaillé uniquement sur l'iPad. Hein. J'avais Ouais. ramené que l'iPad. Enfin, j'avais ramené un ordinateur qui est mort en chemin. Ouais, c'était un vieil ordi, mais c'est dommage. Un jour, il s'est plus rallumé. Le jour où je devais faire une présentation sur Photoshop, parce qu'il y avait un festival en même temps, c'était génial. J'ai dû utiliser Sinon, un c'est pas ordi qui drôle. n'était pas le mien. J'arrivais pas à utiliser le trackpad. C'était la présentation. Celui qui m'a prêté l'ordi est venu sur scène avec moi pour m'aider à juste utiliser le trackpad. Oui, non, mais quand ça veut pas, ça veut pas, Bref, hein. Je veux dire, c'est. ce sont des choses qui arrivent, hein. Hein, à force. De toute façon, voilà, c'est comme ça. On ne peut rien y faire, donc il vaut mieux en rigoler. Et j'avais fait une animation dans Fresco d'une petite fille qui fait du vélo. Je pense qu'elle est sur Instagram. Je peux essayer de voir si je la retrouve. Vas-y. Mais c'est le seul test que j'ai fait. Ce que j'aime beaucoup, beaucoup dans Fresco, c'est les outils de dessin aquarelle. Là, justement, je suis en train de faire les décors du champ des orages et je suis en train de repasser dans Fresco juste pour faire les nuages. D'accord. Ah oui, non, donc il y a vraiment un amour profond de ces outils-là. Ah oui, parce que je trouve que pas, même par rapport au. J'arrive pas à retrouver les mêmes brushes dans Photoshop, quoi. Parce qu'il y a vraiment un moteur de calcul de l'aquarelle qui est. Est-ce que. Donc, attends, si je vais sur Instagram, est-ce que je retrouve vite fait? Est-ce que ça date? Voilà. Est-ce que. Non, c'est. Ouais. Ouais, le petit test d'animation que j'avais fait. Qui est d'ailleurs pas la toute dernière version, j'avais un peu corrigé les jambes. Ouais, j'avais fait passer les arbres et j'avais fait un petit cycle qui doit être. Pas beaucoup d'images, hein, mais. Et ça marchait assez bien, hein. C'était assez agréable à utiliser. On peut bien régler le timing. Enfin, c'est cool. La seule chose, c'est qu'une fois Ouais. que je l'avais terminé, ben, je pouvais pas l'importer dans Photoshop et j'ai pas réussi à récupérer les. Ouais, t'as pas réussi à le récupérer autrement que Ouais. en calque. Alors après, si, il y a une méthode, mais qui est pénible honnêtement, c'est de te dire que tu vas masquer un calque d'animation et exporter que celui-là en séquence PNG. Ouais. Après, tu dois Voilà. refaire tout le timing à la main. Non, pas forcément, parce que du coup, tu réexporteras toute ta séquence PNG de l'ensemble de l'animation, Oui, moins les mais du éléments. coup, tu vas quand si tu as des images qui sont exposées à deux ou à trois, tu vas les avoir deux, trois fois, quoi. Non, oui, elles seront dupliquées. Ouais, c'est pas très Ouais, optimal. mais de toute façon, les Du coup, il faut expositions à que 2 tu ou 3 dans Fresco. resupprimes, enfin bref. Bah, parce que pour l'instant, dans Fresco, t'as pas d'exposition 2-3 dessus. Toutes les images font une Oui, image. c'est vrai. T'es sûr? Il me semble que tu pouvais changer le. Non, c'est la fréquence T'as d'image la alors, fréquence générale de l'animation ouais. que tu peux Ok. bouger, mais par Je t'avoue que contre, c'était en octobre que j'ai fait le test. J'ai pas refait depuis. et ben il y a des J'ai tas de surtout petits j'ai trucs beaucoup nouveaux. utilisé pour dessiner, pour. Mais quand j'ai vu que c'était pas possible de le retranscrire dans Photoshop, en fait, le problème, c'est qu'après, c'est. Oui, non, de toute Enfin, de façon, le récupérer en fichier dans l'idée c'est Photoshop, de faire après, ta c'est prod quoi, compliqué c'est pas. si je veux faire des choses plus de prod. Puisque maintenant j'utilise vraiment Fresco comme un outil de travail, quoi. Ouais, ça c'est cool.
Non, non, mais c'est très très bien. Bah, dans 2 semaines, on reçoit Pierre Munier, qui est souvent avec nous sur le chat et tout, et qui, lui, s'est mis en tête de faire de l'animation aussi, pareil, image par image, mais il fait des grands clips pour des groupes. Et pour le coup, là, il est tout seul, sur un timing, tu vois, enfin, on en reparlera le 11 juillet, sur un timing parfois bien long. Je crois qu'il avait des morceaux de 6 minutes. Ah ouais. À animer carrément et tout, c'est gros 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 boulot quoi. Il faut trouver des bonnes solutions dans ce cas pour. Faut Parce qu'en trouver des général, en bonnes plus, les solutions. clips, les budgets sont Les assez budgets rikiki, peuvent quoi. être serrés, mais après, comme d'hab, il y a aussi le Non, projet non, il y a le passion. côté projet perso et du coup, il faut avoir le temps. Et, de toute façon, Tout à ce n'est fait. pas compliqué, hein. Il y a trois facteurs à prendre en compte. Enfin, il y a un schéma que j'adore montrer aux étudiants. Il y a trois facteurs à prendre en compte quand on prend un projet. Il y a la qualité demandée, le temps qu'on a. Et le budget. Moi, je dirais qu'il y a aussi le fun et l'envie de le faire à rajouter là-dedans, qui est même le primordial. Mais bon, en gros, s'il y a de l'argent, enfin, s'ils veulent que ce soit ch pas cher et demander de la qualité, il faut qu'il y ait beaucoup de temps. S'ils veulent que ce soit de qualité et que ce soit fait rapidement, il faut qu'il y ait beaucoup d'argent. Et s'ils veulent que ce soit fait pour un petit budget et rapidement, bah, ce sera de très mauvaise qualité. Et ils peuvent pas avoir de très bonnes qualités dans un temps très court et fait pour un tout petit budget. Là, vous êtes sûr que ça va être la merde. Et en général, là je double sur le truc, c'est tu commences souvent, enfin tu finis souvent par dire bah non, là c'est pas possible, mauvaise qualité parce que pas de temps, pas d'argent. Non, je le fais pas et je mets pas mon nom dessus, quoi. Oui, voilà. Exactement. Même le truc de bonne qualité avec peu d'argent, c'est bien d'avoir le temps, mais il faut que le projet vous plaise beaucoup, enfin, soit vraiment cool, quoi. Je pense en plus. Ouais, Sinon, ça carrément. sert à rien de s'embêter avec ça. Il vaut mieux passer du temps sur ses projets. Enfin, moi, en tout cas, je préfère passer du temps sur mes projets. Tout à fait. Tout à fait. J'ai une question Maintenant, hein, de. après, c'est voilà, c'est parce que j'ai un certain nombre d'années d'expérience et que bon, j'ai plus envie de me fatiguer avec certaines choses. J'ai plus l'énergie pour, de toute façon. Hein. Ouais, non, mais carrément. Je préfère mettre mon énergie. Bon, après, c'est parce que j'ai Sur... des enfants qui sont assez jeunes, donc ça me bouffe pas mal d'énergie, tu connais, hein. ça bouffe pas mal de temps, ouais. Ça Pas peut mal faire de ça. temps et d'énergie surtout. Enfin, on n'est pas aussi frais que. Voilà. On saura pas si Mais c'est l'âge ou si c'est la présence des enfants. bon, voilà. Donc, avec la. Enfin, puis voilà, il y a un moment où tu as aussi envie d'avoir du temps pour faire d'autres choses que ton travail. Et puis, de toute façon, si on veut créer, pour inventer des histoires et tout ça, il faut qu'il y ait du temps disponible. L'esprit, il crée dans les périodes où on le laisse tranquille, on le laisse au repos. Donc, Ça c'est la partie qui est pas écrite en fait. C'est la ouais, partie et il où faut tu surtout peux arrêter pas. de culpabiliser de ne pas travailler 48 heures par jour, quoi. Ça, c'est un long apprentissage. Alors c'est marrant parce que Benjamin Cassiel et Alex Hendon ont posé la même question à Ok. l'envers. Benjamin nous dit, est-ce que tu fais tous tes tests d'anime sur le même fichier Photoshop? Et Alex nous dit, est-ce que tu fais toutes tes animes sur Photoshop ou parfois sur After? Donc Alors, j'anime dans différents logiciels. J'anime beaucoup sur Photoshop quand c'est pour des projets de commandes où je suis toute seule. Et After Effects, j'utilise pas tant que ça en animation. J'utilise beaucoup en compositing, beaucoup pour tout monter, pour faire les animations de texte, les mouvements de caméra, tous les effets aussi. J'aime beaucoup retravailler mes animations avec la lumière, la colorimétrie, des choses comme ça, ajouter des textures dans After Effects. Donc Par vraiment faire le contre, parfois, je compo. fais des animations qui sont plus en puppet, donc en découpant les personnages. Et ça, je préfère plutôt. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le faire dans After, mais moi, j'aime bien travailler dans Animate. Parce que c'est Animate vraiment devenu un anciennement logiciel Flash. dédié à l'animation. C'est un logiciel qui a longtemps et qui est encore utilisé en prod en anime. D'ailleurs, le Noël des animaux, ce sera fait dans Animate, a priori. Tu as sur ton site 2-3 images du Noël des animaux juste pour que les Ouais, gens comprennent? j'ai même. Pas sûr qu'il soit sur mon site, mais ouais, j'ai deux, trois images du Noël des animaux. Sans spoiler, bien sûr, parce que vous ferez comme tout le monde, Oui, vous regarderez à la sans télé. Bien spoiler, sûr. sans spoiler. Ouais. De toute façon, si c'est sur ton site, normalement, il n'y a pas de spoil. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Donc là, l'idée, c'est de faire des. J'avais commencé à faire des tests d'animation dans Photoshop. Hein. J'étais venue avec Franck pour. C'était celui-là d'ailleurs que j'avais fait en direct. Exactement, et comme c'était l'hiver, elle avait le nez qui coulait. Voilà. Donc c'est l'histoire d'un Seagun Scout. Mais non,
qui perd son groupe de scouts et qui se retrouve sur un morceau de banquise où il y a la maison du Père Noël et une renarde mal léchée qui a juste envie de se reposer. Et sauf que le morceau de banquise est en perdition et qu'il faut qu'ils trouvent. Ils essayent tant bien que mal de le ramener près de la terre ferme. J'avais fait plusieurs tests, petits tests d'animation. Et pour le coup, les Ça, tests c'était tout dans d'animation, c'était du Photoshop. Photoshop en tout cas. Ouais. Sur le début. En tout cas, Et. l'épisode que tu avais fait avec nous, c'était du Photoshop. Ouais, c'était du Photoshop. Et je pense pas que j'ai le test. Je sais pas si je dois le montrer d'ailleurs. Et après, j'ai fait un test sur Animate, un peu plus conséquent, d'une scène d'une 15-20 secondes. Carrément. En puppet, et ça marche assez bien en fait avec ce type de personnage, mais c'est les puppets, je les fais dans Photoshop D'accord. pour le coup. Tout est dessiné dans Photoshop pour garder ces espèces de textures, les traits et tout. Et aussi, ce que je fais, c'est que par exemple sur le Père Noël, j'ai dessiné plein plein de formes de barbe, plusieurs formes de ventre, des formes de chapeau pour que les animateurs puissent donner l'impression que ça se déforme et que c'est pas que de la puppet quoi. Donc qu'ils puissent faire à la fois du. Changer les symboles, hein, puisque dans Animate, on peut créer des banques de symboles pour chaque élément. Par exemple, pour les yeux, avoir plein de formes d'yeux. À l'intérieur de la barbe, avoir plein de formes de barbe. Et du coup, on peut passer de l'une à l'autre assez facilement. Et ce qui fait que c'est à la fois de l'animation en puppet, mais aussi par substitution. Comme de la stop motion ou du papier découpé, en fait, en fait, c'est ces deux techniques. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Au début, c'était un renard. Et une cigogne, mais les producteurs ont eu l'idée que ce soit inversé, et en fait c'est beaucoup plus marrant. Parce que mon renard, enfin, elle l'est plus, mais dans la première version, elle était très très forte. Elle reste assez forte, mais c'est plus une force surnaturelle, quoi. Mais du coup, elle est. Enfin, c'était. Et la cigogne est vraiment dans la bienfaisance, c'est vraiment un scout, quoi. Donc, le fait que c'était une fille qui était comme ça et le renard qui était super fort, grognon et tout, c'était assez cliché. Donc, c'était assez marrant d'inverser. C'était une bonne idée. Voilà, le Père Noël qui est en mode Couleur de repos, plage. quoi. C'est la période avant Noël. Du coup, il porte des chemises hawaïennes avec des motifs de Noël. Il est très très bien ce Père Noël. Et ouais, il y avait eu une session que tu avais fait avec moi sur Photoshop et la session sur entre Photoshop et Animate. Ah ben, on était tous les deux aussi, tiens d'ailleurs. C'est celle-là que je viens de vous mettre sur le chat. Comme ça, vous pourrez la retrouver directement. C'était Animate After Effects, ouais. C'était la toute première que j'avais faite, c'était sur Casimilo, qui était un projet de série que j'avais développé avec Sacrebleu Productions, avec qui je fais actuellement le pilote du Chant des Orages. D'accord. Ouais, donc voilà, ça va être cool, il faut que je commence l'animatique. Le storyboard, l'animatique, pour moi, c'est le moment vraiment, c'est le cœur de la réalisation, quoi. Ouais, puis Et c'est là c'est. où tout doit être mis en place parce que quand on fait de l'animation, on ne peut pas se permettre de faire quelques minutes en plus, quelques minutes en moins, enfin d'animation, c'est pas possible. Oui, Donc il parce faut que vraiment une qu'on ait un minute en timing plus, le c'est plus 3 jours de proche boulot, quoi. possible Au moins. du timing du film final sur le storyboard et l'animatique. Du coup, l'animatique, c'est le storyboard, mais mis en mouvement. Carrément. Ah non, mais c'est chouette. Alors du coup, donc on a vu sur le café. Alors pour ceux qui sont venus avec nous juste via l'histoire du café, donc on avait fait 5 on a 5 sessions, pardon, 5 séances de prévues. Ouais, mets-nous peut-être sur la page du French Café et de Photoshop. Comme ça me permettra de redonner un peu l'historique du projet. Donc on a vu tout à l'heure en arrière-plan, quand on a ouvert la session, la petite vidéo que je vous recommande vivement. Je vous ai mis le lien dans le chat pour découvrir les astuces de Caroline. Vous retrouverez en fait toute cette page qu'on est en train de regarder à l'instant. Et du coup on a reçu Louisa Lafitte qui nous a présenté donc son boulot, beaucoup de motifs, beaucoup de petites plantes. On a reçu Lulu la Nantaise dans la foulée, qui nous a présenté ses petits personnages animés, ses petits animaux aussi. Florimond qui a complété l'histoire. Et en fait, bah, si tu descends dans la page, on voit ton petit nuage, on voit, il y a un portrait de toi pour comprendre un petit peu mieux. Et pour le coup, Je vous portrait. laisserai cliquer pour le regarder. Hein. On va pas le mettre Ouais, tu refuses là. de regarder ta présence en Non, ligne. ça va. En plus, il est pas trop mal, mais bon, ça va. Je suis pas. Je me vois déjà en retour d'écran. C'est suffisant. C'est ça, c'est ça, c'est ça.
Toi, tu fais ça tous les jours, ou Moi, presque tous les je jours. regarde, quand je suis en retour d'écran, je regarde juste si je suis à peu près dans le cadre de la caméra. Le reste n'a aucune importance. Et encore, ça va, j'ai une toute petite vignette, donc ça va. Mais bon, Je peux mettre encore plus je suis petit pas ou en beaucoup actrice, plus. donc voilà. C'est Je le jeu. préfère voir mes dessins à l'écran que ma tête. Et du coup, Le ouais, pire, c'est quand. entendre sa voix, en fait. Je pense que comme la voix, elle sonne complètement différemment de l'intérieur et de l'extérieur, ça c'est. Alors ça c'est ouais c'est un truc j'ai jamais pris le temps d'écouter les deux de à quoi je pense à quoi ça ressemble vraiment etc. Ah bah moi, je sais que ma voix est beaucoup plus aiguë en vrai que ce que j'entends, donc c'est compliqué, quoi. Et puis, je me rends compte que je parle très, très, très vite. Ok. Donc, bref. Mais ceci dit, tu t'écoutes aussi, enfin, tu t'écoutes, tu écoutes ta voix régulièrement parce que ce que tu nous avais expliqué sur les premières Ah oui. sessions, c'est que quand tu faisais des animatiques ou même les premières sessions, enfin, les premières séquences, tu jouais réellement enfin, tu interprétais tes personnages, quoi. Exactement, c'est quelque chose que je continue à faire d'ailleurs, mais c'est pas pareil, ouais, c'est effectivement. Alors là, j'ai fait une première, c'est la première fois que je fais ça, mais j'ai fait jouer ma fille pour l'animatique, hein, pas pour les voix d'Ève, du pilote du Chant des Orages, parce que je suis en plein dedans. D'ailleurs, on va enregistrer les voix samedi, donc c'est en train de se mettre en place en dernière minute, mais. Et c'était assez marrant de lui faire jouer les voix. Bon, elle n'est pas une actrice, elle a 6 ans, donc en plus elle est plus petite que le rôle. Mais oui, j'aime bien parce que, en fait, je me suis rendu compte au début quand je faisais jouer des tas de gens pour faire les différentes voix de l'animatique qui n'étaient pas les voix définitives. Si j'avais besoin de réenregistrer un dialogue, bah, c'était compliqué. Alors que si je fais toutes les voix moi, c'est très simple. Je vais me mettre à côté, je peux faire plein de versions différentes de la voix sans que ça emmerde personne de leur refaire, de leur redemander gratuitement de faire des trucs. Et je peux facilement changer n'importe quel dialogue, rajouter une réaction, enfin, rejouer sur un autre ton, réessayer, même si je ne suis pas actrice. Mais en plus de ça, ça me permet d'avoir déjà une idée assez précise de ce que je vais demander aux acteurs quand je les enregistre. Oui, puis enfin, à la fois toi pour leur demander et eux peut-être pour leur présenter le contenu. Est-ce que les acteurs qui font les voix pour toi par la suite, ils entendent la voix témoin ou pas? Ouais, mais j'essaie de leur dire que c'est vraiment juste une voix témoin, quoi. Ils regardent l'animatique de toute façon pour se rendre compte même pendant qu'on fait les enregistrements, ils regardent l'animatique. Donc c'est compliqué de pas leur montrer l'animatique sans les voix. Ouais, Mais ça fait tout un là, ils l'ont boulot. pas encore vu. J'ai pas partagé l'animatique avec eux. J'ai juste partagé le script. Donc peut-être que cette fois-ci, j'essaierai de pas. D'ailleurs, ils ont fait des essais sans avoir vu l'animatique. Il y avait des choses qui sonnaient très bien. D'accord. Et qui sonnaient un peu différemment. Il y a des choses qu'il faudra revoir à l'enregistrement. Enfin, Oui, bon, après, c'est ça pareil, c'est. je fais la direction d'acteur, c'est pas non plus ce sur quoi j'ai été formée. Donc, c'est quelque chose, on apprend à beaucoup improviser, en fait, quand on fait de la réalisation. Parce qu'il y a plein de choses qu'on n'apprend pas à l'école et il faut se former à tout ça au fur et à mesure, quoi. Mais c'est super enrichissant. Ouais, et puis ça te permet de vraiment maîtriser l'intégralité du projet et de faire, enfin, d'avoir la main dessus, de comprendre les tenants, les aboutissants et tout, c'est chouette. Exactement. D'accord. Je pense pas que je puisse. C'est dommage, je peux pas vous montrer J'ai pas demandé la permission. Et puis je pense que c'est pas une bonne idée de vous montrer le trailer. Enfin, l'animatique du trailer, quoi, pour le moment. Ouais, non, mais ça, de toute façon, pas de souci, on n'est pas à la chasse au scoop et ça veut dire que tout le monde ira faire un tour en salle quand ce sera disponible, ira faire un tour sur les plateformes. Alors, pour le Chant des Orages, on n'en est pas encore là. Ouais. On va essayer de le vendre. On va au Cartoon Forum en septembre pour le présenter devant les diffuseurs, les chaînes, les distributeurs. Donc, on espère qu'on va trouver un distributeur, mais c'est pas gagné. Puis ça peut prendre du temps, en fait. Et puis là, ce sera plutôt pour la télé. D'accord. Quoi qu'il y ait un diffuseur cinéma qui est intéressé par le projet, mais ça suffira pas à faire le projet s'il n'y a pas de diffuseur télé. Ouais, et puis les diffusions cinéma sur des courts-métrages, c'est particulier parce que on vend rarement un court-métrage seul, c'est ce que tu nous avais Oui. expliqué avec le Noël des Là, animés. c'est un peu plus long, c'est un spécial, donc c'est pas loin d'une demi-heure, mais en général, il est diffusé avec un court-métrage. D'ailleurs, le Aurore Boréale est diffusé avec un spécial. Enfin, il D'accord. sera diffusé avec un spécial le 23, à partir du 23 novembre, je crois.
qui s'appelle Opération Père Noël. Donc le programme s'appelle Opération Père Noël. Il n'y a que deux films, puisque ça... entre les deux films, ça fait presque 45 minutes, vu que le mien fait un bon quart d'heure déjà. Donc voilà. Donc ça se vend dans ce type de. Mais de plus en plus, on voit des spéciaux qui sont diffusés au cinéma. D'ailleurs, les programmes comme ça de court-métrage fonctionnent assez bien avec le jeune public, et puis ils ont des durées de vie assez longues. Plus que les longs-métrages qui. C'est vraiment. C'est compliqué hein, parce que les longs-métrages d'auteurs indépendants comme ça, ils ont peut-être 2, 3 semaines de diffusion en salle et après, bye bye quoi, pour des années de travail. Ce C'est ça, j'allais dire, qui ça n'était va pas le super cas vite, avant, mais quoi. maintenant c'est devenu très compliqué. Ça va super, super vite. Et du coup, réussir à capter l'attention suffisamment longtemps pour tomber, enfin, pour que les gens puissent, qui te connaissent pas encore, tombent dessus par hasard. Parce que c'est ça, Ouais, surtout surtout. qu'il y a aucune. En général, il y a très très peu de publicité. Écoute, est-ce qu'on remettrait pas la main un petit peu dans Photoshop pour regarder justement comment on fabrique? Et parce que sur les astuces, ce qu'on avait expliqué avec les autres, c'était que effectivement, c'était une sélection de trucs et astuces, mais que chacun avait sa manière et utilisait. Enfin, vous aviez pas mal d'astuces en commun. Il a fallu trier. Oui, il a fallu trier. Surtout que c'était des petites astuces assez simples qui devaient. C'était un conseil à chaque fois. Donc moi, il y en avait une sur simplement utiliser la timeline d'animation. Une autre sur ce que j'aime bien faire pour ajouter de la lumière. En fait, c'est tout ce qui est l'utilisation des. Mais là, je crois que j'ai aplati. Ça doit être la version aplati, mais que je retrouve. Disons que si ce que j'aime bien faire, par exemple, quand je crée, si je crée un visage, hein, truc assez rapide. Moi, je recopie un peu ce que j'ai fait, mais. C'est pas grave, c'est toi que tu recopies, donc ça va. C'est à la manière de moi-même. C'est ça. Hop. Ça nécessite d'avoir un certain bagage quand même. C'est rapide, hein, mais c'est juste pour montrer. Bon, alors déjà, hein, déjà quand je dessine, moi j'ai mes brushes, évidemment, j'ai déjà mes favoris de brushes. Et puis vous voyez, j'ai des dossiers aussi pour certains projets. Aurore boréale, par exemple, celui que j'utilisais pour la peinture, le brush pour les contours, pour les grains. Et puis là, j'ai mes brushes favoris, quoi. Donc normalement, sur les joues, j'utilise plutôt un truc d'éponge comme ça. Celui que j'aime beaucoup en ce moment, c'est celui-là hein, qui me rappelle un peu les feux de pinceau que j'utilise sur papier, quoi. Voilà. C'est important Bref, pour donc toi de retrouver une fois tes que j'ai outils tradis? dessiné ma tête, hein, assez rapidement. Si je veux travailler de la lumière dessus, ce que j'aime bien, c'est utiliser un calque. Alors, attends, un autre calque par-dessus, on va l'appeler visage. Toujours bien tout nommer, hein. Après on se retrouve avec des milliers de calques qui on ne sait plus ce que c'est. Non, normalement, tous les gens qui nous suivent, tous les gens qui nous suivent sont au courant qu'il faut nommer ces calques, parce qu'on en parle, mais tout le temps, tout le temps. Ouais, mais bon, c'est toujours bien de le redire hein, parce que même quand on le dit, ça rentre pas forcément. Même moi, parfois, j'oublie. Je fais des. Si je suis un peu fatiguée, je vais commencer à travailler. Je vais avoir des tas de calques. Là, par exemple, un calque qui est pas nommé, mais je sais que c'est mon nuancier, quoi. J'aime bien. Enfin, oui, je travaille souvent avec des nuanciers de couleurs. Une fois que j'ai réussi à définir ma palette, j'utilise tout au long d'un projet. Donc là, j'ai mon visage. Là, j'ai créé un calque de lumière. Donc, je vais prendre un jaune. Et je vais venir juste dessiner ma lumière, peu importe si elle dépasse. Et l'important d'ailleurs, c'est peu importe si elle dépasse, de toute façon, ce qui est important, c'est qu'elle soit au moins un petit peu sur le dessin. Voilà, il faut qu'il y ait une partie qui soit sur le dessin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais. Alors moi, j'ai le raccourci, donc j'appuie sur Alt. Et il y a vous voyez, il y a une petite flèche. Je ne sais pas si on voit, c'est une petite flèche avec une boîte qui apparaît sur le calque. Et en fait, du coup, je vais le lier au calque d'avant. Donc il va être écrété par ce calque. Et là, du coup, il reste que ce qu'il y a. Si je dessine en dehors, il ne se passe rien, quoi. Par contre, si je dessine à l'intérieur de ma forme, ça marche. Et j'aime bien l'utiliser avec les modes de produits, enfin les modes de calque, et j'aime bien la lumière vive, mais en baissant pas l'opacité, mais le fond. Ce qui est très embêtant quand je veux passer sur Fresco, d'ailleurs. Ah, parce que Parce oui, que c'est vrai sur que sur Fresco, Fresco, on le a que fond n'est pas le... reconnu. Donc ne Tout pas à le fait. faire
C'est pour ça que je finalise souvent dans Photoshop pour pouvoir baisser mes opacités. Vous voyez, ça prend, ça, quand je baisse l'opacité, le fond, ça prend plus, ça donne vraiment cette impression de lumière, ça garde les couleurs en dessous, alors que si je baisse l'opacité, on va vraiment rester sur le jaune. Je sais pas si je vous remonte la différence. Hein. Mais vraiment plus dans la couleur qui est illuminée que dans l'opacité, où on va vaguement avoir quelque chose. Donc voilà. Donc ça, c'est la façon dont je fais les lumières, mais je pourrais très bien travailler les ombres de la même façon. Donc si je crée un calque et que je le glisse entre mon masque, mon calque qui est crêté et mon calque de base, il va aussi être crêté directement. Donc par exemple, je vais créer une ombre ici. C'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, mais hop, que je vais mettre en produit, baisser l'opacité. Je ne sais même pas si j'ai besoin de mettre en produit que c'est du noir, mais bon. Donc voilà, c'est des différentes façons de travailler. Après, là, j'ai pas utilisé trop de textures, d'autres textures, mais si je veux importer une texture d'aquarelle, par exemple, j'utilise le même principe en fait. Je vais venir mettre une texture d'aquarelle en noir et blanc, bah, je peux le faire tout de suite. Soyons fous. Donc t'as aussi, je suppose, hein, ta quantité masse de textures d'aquarelle en amont, de textures de Ouais, j'ai des papier, tout ça. textures, des banques de textures, dont des aquarelles, hop, un dossier aquarelle avec des textures que j'ai faites, des choses comme ça qui sont noir et blanc, des tâches que j'ai faites à l'encre sur papier. Ça, c'est celle que j'utilise tout le temps, je la trouve vraiment, elle est vraiment super. Voilà, celle-là. Et ça peut être ça ou ça, par exemple. Je la copie, hop, on va la coller. Ouais, c'est directement mis en masque d'effritage parce que j'ai copié entre les deux, mais je vais la remettre à l'échelle à laquelle je la veux parce que là, il y a trop de grains. Hop. Donc, hop. Et là, général, je les mets en incrustation, quoi. Ça donne, ça... Et puis pareil, on peut baisser un peu l'opacité pour pas que ce soit trop fort. Je sais pas si on voit la différence. Mais ça apporte un petit peu de grain. Ouais, histoire de donner vraiment une matière, donner une Voilà. vie à ce... Après, on peut chercher, hein. Il y a peut-être des choses plus intéressantes dans la texture. Là, on voit un peu un trait, une petite variation de couleur qui est intéressante. C'est pas la texture, c'est pas celui qui est le plus flagrant en termes. Si je vais sur un. Peut-être ça. Ça va être assez marrant. Ah oui, c'est pas de... Ouais, c'est fini le majuscule pour contraindre. Ouais. Même si J'ai c'est pas tellement pris toujours. l'habitude. Hop. Donc là. La lumière, elle vient plutôt de là. Donc on va essayer quelque chose comme ça. Incrustation. Donc là, on a vraiment. Bon, là, elle est très forte, mais. On voit vraiment bien ce qu'apporte la texture de l'aquarelle, quoi. Ouais, carrément. Ouais, On c'est peut assez la magique justement baisser, hein. d'avoir autant de relief, autant de... Mais voilà, ça, du coup, ça va donner un petit, ça va casser un peu le côté trop à plat. Pas à faire systématiquement, mais là, ça marche assez bien, quoi. J'ai pas souvenir si dans tes projets il y a beaucoup de projets comme ça où tu es incrusté, intégré dans de la prise de vue réelle, que ce soit en film, que ce soit en photo. Non, j'en ai pas beaucoup fait et c'est quelque chose que j'avais très envie de faire depuis un moment. J'ai pas mal de fait de films en vacances, de petits éléments naturels et tout, en me disant un jour je les utiliserai pour mettre des animations dedans. J'ai jamais eu le temps. C'est comme ça. Mais j'ai toujours ça de côté, notamment en Islande où j'avais filmé tout ce qui est des espèces de boues là, un peu volcanique, enfin pas volcanique, ouais, c'est ça, ou les geysers, ou les textures de. Enfin, il y a des tas de trucs. Ou les cascades, enfin pas les cascades, mais ouais, les cascades, enfin voilà. Donc j'ai filmé l'eau, des choses comme ça, des tas d'éléments naturels. J'avais très envie de le faire, mais j'ai jamais eu l'occasion, jamais eu le temps. Jamais pris le temps. Jamais pris le temps. Soit trouver, soit Voilà. prendre, mais c'est vrai que c'est pas simple. Bah en fait, ouais, il y a un moment où t'as.
enfin, une fois que tu as fini ta journée de création, on ne peut pas être créatif tout le temps et il y a un moment où il faut faire d'autres choses, quoi. Écoute, en tout cas, ça te Donc, met ici. ouais. Donc, j'ai jamais eu l'occasion et c'était cool. J'avais peut-être fait une ou deux fois sur de l'anime, des animes de texte assez outrés. Donc, là, c'était assez intéressant de le refaire sur cette séquence-là, où il fallait vraiment suivre, pour le coup, suivre la vidéo. Ça, c'était Ouais, puis vraiment là, un sacré exercice. puis là, ce que tu nous disais, hein, c'est que c'était le. Au niveau du tracking, c'était du tracking à la main. Y a pas, t'as pas triché, quoi. C'était. Oh, ouais, je l'ai fait à la main, là. Il n'y a pas de. À part ici, là, ce passage-là où j'ai. Il n'y a plus de tracking, en fait. Il y a juste un espèce de mouvement de caméra pour simuler. Mais le reste, non, non, j'ai vraiment. Je me suis débrouillée à la main. D'ailleurs, là, ça ne suit pas trop parce que ça passe derrière le poteau, quoi. Derrière, ouais. Oh mon Dieu. Et après, ouais, j'essaye d'être assez précise, même si ce n'est pas forcément à 100%. L'avantage, c'est que ce n'est pas très. Bon, c'est du trait, donc ça passe, quoi. Ouais, carrément. Puis de toute façon, ça va. Enfin, c'est le principe aussi de l'animation, c'est que ça tout va très très vite. Et il n'y a que Ouais. l'animateur finalement qui va le voir en temps réel et qui va. Enfin, en image par image. Le public, lui, va le voir à vitesse réelle et ça va aller beaucoup plus vite, quoi. Ce sera vraiment de la subtilité. Exactement. Alors, j'ai une Donc question de c'est DA. pour ça, c'était super intéressant. Et puis même trouver des textures qui fonctionnent quand même pas mal avec de la vidéo, quoi. Des choses qui sont un peu plus subtiles, du coup, pour marcher. Puis en plus, ce qui était vraiment chouette dans ce projet, c'est qu'il y avait les univers de tous les illustrateurs, hein. Donc il fallait que tout fonctionne ensemble. Après, c'est eux qui ont un peu fait la répartition des endroits où. En fait, on a donné plein d'idées, on a fait des croquis. D'ailleurs, je pense que j'ai des croquis avec des idées. Des idées de différents projets, enfin de différentes illustrations pour chaque plan en fait. Et ensuite, ils ont un peu fait le tri là-dedans et ils ont choisi. Est-ce que j'ai les storyboards, les petits storyboards que j'avais fait? Non, ça c'est. Oui, donc on avait un storyboard comme ça, donc j'avais fait plein de choses, hein. C'était un peu trop, mais. Les Genre tout, différentes tout, idées que je tout le pouvais monde avoir. avait Et les décidé de méduses, remplir le j'ai truc, fait quoi. des méduses, et les méduses avaient déjà un peu émergé à ce moment-là, quoi. Voilà, donc j'avais proposé des storyboards un peu comme ça, avec différentes idées, un peu sur tous les plans. Bon, il y avait des plans qui n'étaient pas encore en photo, donc c'était un peu plus compliqué à imaginer. Donc j'avais imaginé que la girafe, elle commençait déjà dans les escaliers et qu'elle se continuait ensuite ici, mais c'était un peu compliqué à mettre en place, surtout qu'il y avait Il y avait besoin déjà qu'il y du ait d'autres monde. animations. Ouais, parce que quand on regarde le truc final, c'est vrai qu'il y a chacun s'y est collé, chacun a proposé des contenus dans son style, dans son univers. Ouais, voilà. Donc au Ah. début, j'avais l'idée des choses qui sortaient des carreaux, des algues, et puis il y avait un personnage qui était coincé entre les. Mais c'était trop compliqué à mettre en place. J'avais eu cette idée-là aussi. Voilà. Donc. Ouais, parce que ce qu'on voit sur la photo, quand tu commences à passer avec de la vidéo et du déplacement, tout ça, ça peut compliquer beaucoup les choses. Donc là, il y avait les méduses, mais je pense qu'au début, j'avais carrément même fait le personnage en couleur, en fait. Et les algues qui sortaient, les méduses. J'avais même imaginé une méduse avec une tasse de thé, quoi. C'était assez. Ce qui était vraiment cool, c'est qu'on avait carte blanche, donc on a vraiment pu faire plein de choses différentes. Puis, par exemple, pour les algues, j'ai fourni toute une banque d'algues comme ça. Et c'est là que Max est allé piocher pour les animer lui-même. Exactement, pour les animer. C'était assez assez chouette à faire. C'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'était cool. Pareil, les méduses. Hop, les méduses, j'en ai fait différentes aussi. Mais toutes assez statiques, du coup, pour qu'elles puissent être animées. Je crois que j'avais séparé chacune des pattes, la partie intérieure, la partie extérieure, pour que ce soit animable. C'est marrant que tu aies choisi des méduses pour ce truc-là. Tu sais, dans les outils d'Animate en ce moment, comme ils ont refait à partir de zéro l'outil de DOS, de Bones, Ah oui. d'Animate, ils ont utilisé des petites méduses qui, justement, vont avoir les pattes qui suivent. C'est très rigolo, du coup, de le voir appliqué Ouais, sous cette ben, forme-là. j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que c'était
Je sais pas, après l'imaginaire, il peut aller très loin. Hein, quand t'es... Ouais, En général, quand je vais dans des cafés, je prends un carnet de croquis et je dessine et bah, ça part dans toutes les directions, quoi. Je me laisse pas de marge, enfin, de limite. Ça peut, et très vite, tu peux faire vraiment des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe autour de toi. Mais ce que je préfère, en fait, de plus en plus, quand je vais dans des cafés, c'est plutôt pour écrire d'ailleurs que pour dessiner. Parce que j'ai besoin d'être dans un univers un peu différent qu'à la de ton maison. travail et tout, enfin de ton bureau en tout cas. Ouais. Ouais, voilà, je travaille. Ça y est, je me suis réinstallée à la maison. Ça y est, Parce que la petite les filles rentre en sont assez grandes. maternelle Ouais, c'est bientôt. ça. Ouais, tu vas vraiment réintégrer ton espace. Voilà. Ouais, tu m'étonnes. Non, ça c'est un petit peu du bonheur. J'étais en train de me demander si ça vaudrait pas le coup là qu'on se rejoue en entier la petite animation. Je vais nous, où je nous mets peut-être juste en fin. Tout à l'heure, on se mettra en fin là-dessus. Merci à tous ceux qui étaient avec nous dans le chat. Alors si, j'avais une question tout à l'heure de Béa qui nous disait, mais du coup, le fichier, il fait combien de gigas à la fin? Alors là, ces fichiers-là, ils sont pas si lourds que ça. Parce que tu dois avoir l'info en bas du fichier Photoshop, là en bas à gauche. Attends. Enfin, au Où? milieu, là, sur ta fenêtre de principale. 33%. T'as les dimensions en pixels. Et si tu vas sur la petite flèche, là à gauche, plus à gauche, juste à droite de ça, voilà. Et tu dois avoir le poids de fichier sous la petite flèche si t'as besoin. Tac. Ah oui, Taille du document. taille du document. Voilà. Ouais, c'est pas Et énorme. 27, 23,7, c'est ça? Non, c'est pas très, ça c'est pas très lourd, hein. Celui-là va être plus lourd, je pense. Non, bizarrement, il est plus léger. Il y a moins de calque. Mais Alors 23,7 de toute façon c'est la taille du fichier aplati. De chaque attends, je vais te dire ça de toute façon. c'est la taille d'une image aplatie. Bah, j'ai ouvert. Ouais. La recherche dans les fichiers. Hop. Et ça on vous l'épargne. Donc la scène de. Quand elle est clean, elle fait 36 mégas. Ouais. Quand elle n'est pas clean, c'est-à-dire avec tous les calques, là, elle fait 203 mégas. Donc ça va. Hein. Ouais, Franchement, c'est ça super s'ouvre raisonnable hyper en termes facilement. d'animation. Et là. Donc ça c'était d'autres animations, juste des trucs de fumée que j'ai fait, mais qui ne sont pas très intéressants. Et la reine, elle fait 40, 45,2 mégas. Ouais, donc c'est Donc franchement, vraiment. ça va. Est-ce que j'ai. Non, ça va. Ah, j'ai pas mon disque dur, il est pas branché. Bon, pas Bon, grave. tant pis. Tant pis, tant Mais pis. les fichiers d'animation de pays de l'aurore boréale, c'est 3-4 gigas, quoi. Mais c'est 30 secondes avec plein d'objets dynamiques. Donc, enfin, vous avez vu là, j'ai. En fait. Si je prends plusieurs images, vais dans le calque, objet dynamique, normalement, convertir en objet dynamique, paf, et ça me met tout dans un objet dynamique. Et mon animation, elle reste là à l'intérieur. Alors évidemment, là, du coup, ils sont Ils sont les uns au-dessus des explosés. autres. Pour faire un groupe vidéo, il suffit de toutes les sélectionner. Et ici, on a un petit bout de pellicule et on peut faire un nouveau groupe vidéo à partir des clips. Et il les remet Il les les unes à remet la dans le suite des bon autres ordre et tout. dans un groupe vidéo qui est un groupe de calque. Mais un peu particulier. Et l'ordre des images, c'est vraiment l'ordre. Celle en bas dans la pile de calques, c'est la première Ouais, c'est dans la timeline. ce que Donc si je veux t'expliquais changer quand tu faisais l'ordre 1, des 2, 3, images, 4, 5 et 5, 2, 1, 4, 3. on va juste. On va leur Ah, mettre des couleurs pour bien bien les joué. visualiser. Mais... Et puis on les voit en plus directement dans la timeline à côté. Voilà, Ouais, le donc là, tu vert, tu peux changes. le remonter, etc. etc. Et si tu fais la même chose dans l'animation, tu vas avoir le même rendu, quoi, le même dans la timeline. Ah oui, ici. Ouais. Oui, voilà. Ça les bouge aussi dans les calques. Et ça les bouge dans les calques. Donc c'est vraiment en parallèle. On travaille à la fois dans la timeline, à la fois dans le Il faut panneau de toujours aller calque. de l'un à l'autre. De toute façon. Et je crois que pour l'instant, on n'a toujours pas le petit suivi en fait de la tête de lecture avec le calque sélectionné. Ça, c'est agaçant, mais c'est toujours pas le cas. Non. Et oui. Bah, c'est pas un logiciel d'animation non plus. Il y a des outils d'animation, mais c'est pas. Voilà, il pourrait y avoir beaucoup mieux dans la timeline. Déjà, AnimeDessin, ça. Ça, quand même, si je veux rajouter une image qui fait qu'une frame, ah non, ça fait pas qu'une frame, je sais pas pourquoi elle est plus longue que ça. Bref, Ah, parce que tu as changé de paradigme. Là, tu es dans un nouveau document objet dynamique. Et du coup, par défaut, il a peut-être pas le même rythme.
Qu'est-ce que Ok. tu avais envoyé? Ah ouais, attends. C'est. Normalement, il devrait. Ah, je sais pas, j'ai Ce qu'il pas. faut vachement faire attention quand vous faites un fichier d'animation, c'est la cadence du montage. Définir la Tout cadence à du fait. montage. Et là, on est à 25. Et de l'autre Non, côté, non, tu on est étais à déjà à 25 25? aussi. Ok. Parce que c'était la vitesse de la vidéo. Donc là, on Ouais, va donc tu vois, j'ai annuler ça. accepté. Voilà. Et si je le fais ici, si je rajoute une image d'une. Ouais, là, ça l'a fait. Ça a mis une image blanche entre les deux qui dure exactement une frame. Ouais. Alors qu'avant, sinon, il fallait faire un calque de plus. Un nouveau... Enfin, sinon, la technique, c'était de rajouter un calque ici, mais qui fait une durée, puis de le découper, puis de supprimer. C'est ce que je faisais. Voilà. Il y a Bruce qui nous parle de la sagesse. Effectivement, la sagesse est une bonne chose. Alex nous dit cette animation est géniale. Pierre est un dingonos, mais Pierre, on le verra plus tard. On le verra dans 2 semaines. Fred nous a dit tout à l'heure, je viens d'apprendre quelque chose, la différence entre le fond et l'opacité. Oui, Ouais. Alors je ça. sais pas, je connais pas exactement les calculs entre les deux, mais ça fait, c'est au niveau du rendu, c'est vraiment différent. Donc c'est bien de tester les deux. Et surtout, c'est bien de le tester sur chacun des modes de fusion, de tester Ouais. 0, 50 ou 100% des réglages, parce que, par exemple, le mélange maximal, il ne fonctionne que avec les valeurs de fond, et entre 0 et 100%, ça fait vraiment une grosse différence. Alors que si tu mets du mélange maximal entre deux images, c'est juste moche. Et il y aurait pas de raison si on n'a pas réfléchi au truc. Donc regardez, en tout cas c'est celui qui est le meilleur exemple pour ça. Delphine Bah, on peut qui regarder, revenait hein. sur le nommage des calques et sauvegarder la clé du bonheur pour éviter la cata. Et ouais. Exactement. Ça de toute Sauvegarder façon, tout le temps, tout le temps. Et on oublie, on vous le alors le dit mélange suffisamment maximal, ça. c'est là. Ouais, tu vois, le mélange Hop. maximal, on sait pas quoi en faire, mais dès que tu vas utiliser le mélange maximal en baissant Ouais. le fond, ça te permet de faire réapparaître, ressortir des couleurs que tu reverrais pas Ouais, ça fait autrement. un peu comme comme les lumières vives, quoi. Ouais. Un petit peu différent, c'est un peu plus jaune là, du coup. Et oui. Alors que si je baisse l'opacité, Ouais, bah, ça ça fait fait comme pour juste la un lumière peu. vive, ouais. Ouais, si tu baisses l'opacité, tu retrouves une espèce de mauvaise transparence. Ouais. Alors que là, vraiment, tu vas transformer les couleurs. Non, Après, voilà, j'ai aucune idée de comment c'est programmé et ça. c'est pas mon domaine, Je suis sûr qu'il il mais juste c'est existe en quelque testant, quoi. part des récaps de tout ça. Allez, bah écoute, merci beaucoup à toi d'avoir été avec nous pour toute cette petite session. Bah, C'était très merci à vous, chouette. merci à toi Franck. Eh J'espère que la ben. prochaine on pourra la faire en live et pas à distance. On se dit que oui, on se dit qu'on va y arriver et qu'on va proposer ça. Alors tu sais, parfois on triche, hein, parfois on reçoit des gens et ils sont pas très loin, ils sont pas si loin que ça, mais il faut être observateur du décor. Allez, je vous renvoie la Je petite vois. animation de la fin et je vous retrouve donc demain à 14h. On va se faire justement un générique de fin dans Premiere Pro. Comment utiliser les objets graphiques essentiels, comment préparer son générique et être capable de remplacer à la volée des éléments dedans, comment retoucher le texte, etc. J'espère que ça vous servira pour tous les gens qui font un petit peu de vidéo et d'animation. Donc ça, c'est demain à 14h. Comme vous le savez, on est là tout le temps, tous les jours de la semaine à 14h sur la chaîne YouTube Adobe France ou sur behance.net/live/fr. Merci à tous, merci à toi, et je vous envoie de l'autre côté. Merci. Bye bye!